Coucou. Allez, qu'est-ce qui arrive pour toi pour les 72 heures à venir? Face à une situation, face à une personne, peu importe, tu adaptes à ta situation, d'accord? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit? Il y a des questionnements, il y a beaucoup de doutes, il y a des choses sur lesquelles tu n'arrives pas vraiment à comprendre ce qui se passe. Alors, la réponse à tes questions par rapport à une femme ou un homme, tu adaptes, comme je te dis, toujours à ta situation. Il y a quelque chose que tu as demandé. Ok. Donc, on est bien sur la relation, regarde. Je te fais un plan plus grand. Homme, femme, questionnement, quelque chose que tu as demandé, c'est quoi que tu as demandé? Tu as demandé à recevoir des messages de la personne de ton cœur. Tu as demandé à avoir de ses nouvelles. Tu étais peut-être en silence radio ou du moins la communication n'était pas celle que tu souhaitais, que tu avais jusqu'ici. Et clairement, on te dit que oui, tu vas avoir en fait la communication que tu veux face à la personne que tu aimes, celle de ton cœur. Et on te parle qu'il va y avoir des compromis. Vous allez pouvoir, tu vas pouvoir exposer ce que tu as envie de lui dire et lui ou elle va aussi pouvoir te dire clairement ce qu'il a envie. Et il ou elle a envie de te dire et va aussi te le partager qu'il y a un retour. J'ai envie de revenir avec toi. Je me suis dispersée, j'avais un passé un peu compliqué, j'arrivais pas à être dans l'instant présent et j'avais un futur qui était très incertain, ce qui pour moi était hyper compliqué. Mais aujourd'hui, je reviens à une communication pour te faire te proposer des compromis. On ne parle pas forcément de pardon, donc ça s'est pas forcément mal terminé ou la distance s'est pas forcément mal passée. Mais clairement, il y a un retour de la personne de ton cœur dans ta vie. Et on te parle de relations abondantes, on parle de richesse d'amour, on parle de vraiment de sentiments qui ont été très 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 intenses par rapport à ce que vous avez vécu. Et on vous dit bien et on te dit bien que toi tu vas retrouver une paix intérieure. C'est clairement ce que tu as osé demander. Ose demander et ça te sera accordé. Toi, on te parle de la prière. Donc oui, regarde. Il y a cette personne qui revient de la communication, chose que tu as toujours voulu, le retour. Et clairement, on parle de paix intérieure.